Hi everyone and welcome to Gaspé Christian Assembly. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'Assemblée chrétienne de Gaspé. This week, I want to say happy birthday to Gabriel Gourjade on the 10th. Donc, demain, c'est l'anniversaire de Gabriel Gourjade. Bonne fête, Gabriel. And on the 30th, it will be Noé Saint-Pierre's birthday. Donc, il est le 13, ça va être l'anniversaire de Noé Saint-Pierre. So, happy birthday, Gabriel and Noé. Donc, bonne fête, Gabriel et Noé. And what a beautiful day outside. Et quelle belle journée dehors. It would be a nice week to get married. Ça serait une belle semaine pour se marier. So, in a nice week like this in August, I hope it was nice. Many people got married. Donc, dans une belle semaine doux comme cette semaine, il y a beaucoup de gens qui se sont mariés. J'espère que c'était aussi beau qu'aujourd'hui. Today is the wedding anniversary of Luce and Simon. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mariage de Luce et Simon. On the 11th, Sonia Leblanc, Gino Richard, Daniel et Joanne Chenard got married. Donc, le 11, il y a l'anniversaire de mariage de Sonia Leblanc, Gino Richard, Daniel et Joanne Chenard. On the 12th, Debbie and Aiden Sams got married a few years ago, ok? Et un 12 août, il y a aussi Debbie et Aiden Sams qui se sont mariés il y a quelques années de cela. So, happy anniversary to you all. Donc, joyeux anniversaire de mariage à vous tous. So, Lord, thank you for this day. Alors, Seigneur, merci pour cette journée. And I just pray that you would touch the people who are watching right now during this online meeting. So, et je veux simplement prier que tu viennes toucher les gens qui regardent cette rencontre en ligne présentement. Come and speak to their hearts. Viens parler à leur cœur. And may you transform us again. We always need to be transformed to your image. Et viens nous transformer encore. On a toujours besoin d'être transformés à ton image. In your name, O Jesus, en ton nom, Seigneur Jésus. Amen.
I was sure by now that you would reach down and wipe out tears away, step in to save the day. And once again I say amen, and it's still raining as the thunder rolls. I barely hear you whisper through the rain, I'm with you. And as your mercy falls, I raise my hand and praise the God who gives and takes away. And I praise you in this storm, and I will lift my hands that you are who you are, no matter where I am. And every tear takes away.
storm. I lift my eyes unto the hills. Where does my help come from? My help come from the Lord, the maker of heaven and earth. I lift my eyes unto the hills. Where does my help come from? My help come from the Lord, the maker of heaven and earth. And I praise you in the storm. I will praise you in this storm. Bonjour tout le monde. Hi everyone. Is it irrational to be a Christian? Est-ce que c'est irrationnel d'être un chrétien? Is it irrational to think that there is a God, to believe in Jesus, in the Bible? Est-ce que c'est irrationnel de croire qu'il y a un Dieu, de croire en Jésus, en la Bible? Those are the questions that we have seen together in the last week. C'est les questions qu'on a vues ensemble dans les dernières semaines. And my friends Dominique Rollin and Michel Robillard helped me to complete that series. Et mes amis Dominique Rollin et Michel Robillard m'ont aidé à compléter la série. Today we are going to bring a conclusion to that series. Aujourd'hui, on va arriver à une conclusion à cette série. We are going to do a quick recap of what we have seen together. On va faire une récapitulation rapide de ce qu'on a vu ensemble jusqu'à maintenant. And then we are going to see how does that help us to be better witnesses? Et puis on va voir ensemble comment est-ce que ça nous aide à être des meilleurs témoins. How does that help us to share the gospel? Comment est-ce que ça nous aide à partager l'évangile? So first, let's recap what we've seen together. Alors, premièrement, révisons ce qu'on a vu ensemble. The first thing that we've seen together, la première chose qu'on a vu ensemble is it irrational to think that there is a God? Est-ce que c'est irrationnel de croire qu'il y a un Dieu? A God that created the universe. Un Dieu qui a créé l'univers. You know, my conviction, okay, ma conviction is that... God does not need evolution. Que Dieu n'a pas besoin de l'évolution. But evolution would need a God. Mais même l'évolution aurait besoin d'un Dieu. And we have seen together that if evolution was true, et on a vu ensemble que si l'évolution est vraie, there is still a need for the creation of a first living cell. On a encore besoin, avec l'évolution, d'une première cellule vivante. And that first cell would have to be extremely complex. Et cette première cellule aurait besoin d'être extrêmement complexe. It could not have just appeared like that out of nowhere. Elle n'aurait pas pu juste apparaître comme ça au milieu de nulle part, okay? And science has no explanation about how it came to be. Et la science n'a juste aucune explication pour comment cette première cellule-là a pu arriver. So, it is not irrational at all to think that there is a God that created the universe. Donc, il n'est pas rationnel du tout de croire qu'il y a un Dieu qui a créé l'univers. In fact,
It is, in my opinion, irrational to believe that there is no God that created the universe. En fait, mon opinion, c'est que c'est irrationnel de croire qu'il n'y a pas de Dieu qui a créé l'univers. And you can see more about that if you search on the internet about the fine-tuning argument. Et vous pouvez en savoir plus en cherchant sur l'internet à propos de l'ajustement fin de l'univers. There are more arguments that just the first cell, the first living cell. Il y a beaucoup plus d'arguments que juste la première cellule. There are many other things that science found that could not be without an intelligent being behind the creation. Il y a beaucoup plus de choses que la science a trouvées qui ne seraient pas possibles sans un être intelligent derrière la création de l'univers. And I really like that verse that Michel Robillard read. Et j'aime beaucoup ce verset que Michel Robillard a lu dans Romains 1, 20. It's in Romans 1, 20. So, we can read, on peut lire, for since the creation of the world, God's invisible qualities, his eternal power and divine nature have been clearly seen, being understood from what has been made, so that men are without excuse. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. So there is no excuse for not recognizing that there is a God. Donc il n'y a aucune excuse pour ne pas reconnaître qu'il y a un Dieu. The second subject that we have seen together is just about Jesus. Okay? Le deuxième sujet qu'on a vu ensemble, c'est juste à propos de Jésus. Okay? Is Jesus the Son of God? Is it rational to think that Jesus is the Son of God? Jésus, est-ce qu'il est le Fils de Dieu? Est-ce que c'est rationnel de croire que Jésus est le Fils de Dieu? And I've shared with you this sentence that is used often by atheists. Okay? Et j'ai partagé avec vous cette phrase-là qui nous est donnée par des athéistes souvent. Extraordinary claims require extraordinary evidences if you want me to believe, okay? Les affirmations extraordinaires nécessitent des preuves extraordinaires si vous voulez que j'y croie, okay? But we can see that Jesus provided some overwhelming evidences. Mais on peut voir que Jésus a pourvu à énormément de preuves, ok? He healed sick people. Il a guéri des gens malades. He raised people from the dead. Il a ressuscité des morts. He walked on water. Il a marché sur les eaux. A voice coming from heaven confirmed who he was. Une voix qui venait du ciel a confirmé qui il était. His old body was he was transfigured before his closest disciples. Il a été transfiguré devant ses disciples les plus proches. He accomplished prophecies by his birth and by his death. Okay, il a accompli des prophéties par sa naissance et par sa mort. Try to accomplish prophecies by your birth. Essaye d'accomplir des prophéties par ta naissance. And then he rose from the dead. Et puis il est ressuscité des morts. What else do you need to see that he provided plenty of extraordinary evidence behind his affirmation that he is the Son of God? De quoi d'autre on a besoin pour voir qu'il a pourvu à amplement de preuves extraordinaires pour soutenir le fait qu'il était le Fils de Dieu? Of course, that involves believing that the Gospels are true. Bien entendu, ça implique de croire que les évangiles sont vrais. But saying that the Gospels are some lies, it just doesn't make sense to me. Pour moi, de dire que les évangiles, c'est des mensonges, ça fait juste pas de sens pour moi. Four Gospels
quatre évangiles from four different writers, de quatre auteurs différents. I do not believe that so many people, because the disciples and many disciples were claiming that Jesus was the Son of God all over the world, okay? Et je crois pas que autant de gens, parce que en plus, il y avait tous les disciples qui proclamaient que Jésus était le Fils de Dieu partout dans le monde. I don't believe that they would go all around the world and suffer and die for a lie. Je ne crois pas qu'ils seraient partis partout dans le monde et souffrir et mourir pour un mensonge. Who was gaining profit? Qui faisait du profit là-dessus? Who was gaining power? Qui gagnait du pouvoir? Okay? If it would have been a collective lie, si ça avait été un mensonge collectif to gain power over people, pour avoir du pouvoir sur les gens, the content would not be the same. Le contenu ne serait pas le même. Okay? In Matthew 20, dans Matthieu 20, au verset 26, il n'en sera pas même au milieu de vous. Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. So, not so with you. Instead, whoever wants to become great among you must be your servant, and whoever wants to be first must be your slave. If you were wanting to gain control over people, you would not write that in some false gospels, okay? S'il avait voulu avoir du contrôle sur les gens, il n'aurait pas écrit ça dans des faux évangiles, okay? And you would not make the new leader deny Jesus three times. Et il ne serait pas écrit non plus que le nouveau leader, Pierre, aurait renié Jésus trois fois. It just doesn't make sense. Ça fait juste pas de sens. So, for me, yes, Jesus was really there. Donc, pour moi, oui, Jésus était vraiment là. And he was really who he claimed to be. Et il était vraiment celui qu'il disait être. Then we had a message from my friend Dominique Courlin. Et puis, on a eu un message de mon ami Dominique Courlin, who showed us how the Bible was talking about itself. Il nous a montré comment est-ce que la Bible parlait d'elle-même. But as he told us, mais comme il nous a dit, of course, just one of those verses does not prove that the Bible is the Word of God. Bien entendu, juste un de ces versets-là ne prouve pas que la Bible est la parole de Dieu. But what he told us that is that there were like many columns that were supporting something. Mais comme il dit, c'est comme si c'était plusieurs colonnes qui supportent quelque chose, okay? And I really like 2 Timothy 3:16. Et j'aime beaucoup 2 Timothée 3:16. It says, all scripture is God-breathed and useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. And that's what I believe the Bible to be. C'est ce que je crois qu'est la Bible. And Hébreux 4:12 nous dit, for the word of God is living and active. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, sharper than any double-edged sword, de plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, and it penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Okay? Pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. And that's what I believe the Bible to be. C'est ce que je crois que la Bible est. But of course, mais bien entendu, this is the Bible talking about itself. C'est la Bible qui parle d'elle-même. Okay, if I just write on this piece of paper, si j'écris ici sur cette pièce de papier, everything written on this paper is true. Tout ce qui est écrit sur ce papier est vrai.
It's true until I write something false. C'est vrai jusqu'à ce que j'écrive quelque chose de faux. Okay? So, of course, those verses are not a complete proof that the Bible is true. Donc, bien entendu, ces versets-là ne sont pas une preuve complète et logique que la Bible est vraie. But as Dominic said, mais comme Dominic l'a dit, you need to read it for yourself. Tu as besoin de la lire pour toi-même. And if Hebrew 4 is true, it will speak to you. Et si Hébreu 4 est vrai, okay, that the word of God is living and active, que la parole de Dieu est vivante et efficace, as you read it, you will get to know it. Alors que vous allez la lire, vous allez l'expérimenter, vous allez finir par le reconnaître. Okay? And for me, okay, et pour moi, the reason why I believe in the old scriptures, la raison pour laquelle je crois dans les Écritures complètes, is because Jesus validated them. C'est parce que Jésus lui-même les a validés. In John 5:39, dans Jean 5:39, il a dit, okay, these are the scriptures that testify about me. Okay, ces écritures, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Okay, and he talked about the scriptures that way many times. Et il a parlé des écritures de cette façon-là à plusieurs reprises. So Jesus was really talking about the Old Testament that we know right now as inspired by God. Donc Jésus parlait vraiment des écritures de l'Ancien Testament comme étant inspirées de Dieu. Okay? So Jesus validated the scriptures. Donc Jésus a validé les écritures. Then we had our friend Michel Robillard, et puis il y a eu notre ami Michel Robillard that spoke about inner witness, qui a parlé du témoignage intérieur. And I really believe that this is something necessary. Et je crois vraiment que c'est quelque chose de nécessaire. In Romans 8:16, it says, dans Romains 8:16, ça dit, the Spirit himself testifies with our spirit that we are God's children. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. And in John 6:44 et dans Jean 6:44, Jesus said, Jésus a dit, no one can come to me unless the Father who sent me draws him. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. There is a need for a revelation. Il y a un besoin pour une révélation. Even though it is not irrational to be a Christian, même si c'est pas irrationnel d'être chrétien, even though it is possible to explain why it is logical that God exists, même si c'est possible d'expliquer pourquoi c'est logique que Dieu existe, even it's possible to explain that yes, it's logical to believe that Jesus was really the Son of God. Même si c'est possible d'expliquer que oui, c'est logique que Jésus était le Fils de Dieu, and that the scriptures are true et que les écritures sont vraies. There is a need for a revelation of God. Il y a un besoin pour une révélation de Dieu. You know, in Jesus' days, vous savez, quand Jésus était sur la terre, the people that knew the Bible the better, okay, les gens qui connaissaient la Bible, l'Ancien Testament, en fait, le mieux, most of them did not recognize Jesus. La plupart d'entre eux n'ont pas reconnu Jésus. And I just have to go back to that verse, John 5:39, that I like so much. Et on peut juste relire ce verset, Jean 5:39, que j'aime tellement, okay? It says, you diligently study the scriptures because you think that by them you possess eternal life. These are the scriptures that testify about me. Vous sondez les écritures parce que vous avez pensé avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. So even
if someone was considering everything logically. Donc même si quelqu'un considère toutes les choses logiquement, even if a person is searching the scriptures, même si une personne sonde les écritures, there is still a need for a revelation. Il y a encore un besoin pour une révélation. Okay, Jesus says in Jesus 6:44, Jésus a dit dans Jean 6:44, no one can come to me unless the Father who sent me draws him. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. So there is a need for a revelation. Il y a un besoin pour une révélation. Okay, knowing all that stuff to defend our faith. Savoir toutes ces choses-là pour défendre notre foi. It is good for our assurance, okay? That we know that we are not fools. C'est bon pour notre assurance. On sait qu'on n'est pas des fous. And it is also good to be able to answer to the unbeliever. Et c'est aussi bon pour être capable de répondre à ceux qui ne croient pas. But still, if we want an unbeliever to convert, he needs a revelation from God. Mais encore, même si on explique les choses, si on veut qu'un non-croyant croit, le non-croyant a besoin d'une révélation de Dieu. So now the question is, donc maintenant, la question est, How can they get a revelation? Comment est-ce qu'ils peuvent avoir une révélation? And my proposition, as I'm right now, et ma proposition maintenant, is just that we look in the Gospels. How did people at this revelation that Jesus was the Son of God? C'est qu'on regarde ensemble dans les évangiles. Comment est-ce que ces gens-là qui ont reconnu Jésus ont eu la révélation que Jésus était le Fils de Dieu? The first one I'm going to look at with you, le premier que j'aimerais regarder avec vous, c'est Nathanael. It's Nathanael. In John 1, verse 47, dans Jean 1, 47, when Jesus saw Nathanael approaching, he said of him, "Here is a true Israelite, in whom there is nothing false." Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanael. Jésus lui répondit, avant que Philippe ne t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. So Jesus said to him, "I saw you while you were still under the fig tree before Philip called you." Then Nathanael declared, "Rabbi, you are the Son of God. You are the King of Israel." Nathanael répondit, "Oui," et lui dit, "Rabbi, tu es le Fils de Dieu. Tu es le roi d'Israël." So Jesus had a word of knowledge for Nathanael, or the equivalent, okay? Donc Jésus a eu l'équivalent d'une parole de connaissance pour Nathanael, and only that was sufficient for him to believe that Jesus was the Son of God. Et seulement ça a été suffisant pour que Nathanael comprenne que Jésus était le Fils de Dieu. The Samaritan woman at the well had a similar kind of encounter with Jesus. La femme samaritaine au puits de Jacob a eu le même type de rencontre avec Jésus. Jesus told her, "I know that you had five husbands. Jésus lui a dit, "Je sais que tu as eu cinq maris." So that was a word of knowledge for the Samaritan woman, and she believed. Donc ça a été une parole de connaissance aussi pour la Samaritaine, et elle a cru. And in John 4:29, she told everyone in her village, dans Jean 4:29, elle dit à tout le monde de son village, "Come and see a man who told me everything I ever did. Could this be the Christ?" Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? But here's what I want to go with that. Mais voici où est-ce que je veux en venir. The people from the village then go to see Jesus. Les gens du village viennent voir Jésus. And here's
what it says. Voici ce que ça dit in John 4:39, dans Jean 4:39. Many of the Samaritans from that town believed in him because of the woman's testimony. He told me everything I ever did. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Il resta deux jours. And because of his words, many more became believers. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. So only because of the words of Jesus. Donc seulement par les paroles de Jésus. God revealed to them that he was his son through only the words of Jesus. Dieu a révélé à ces gens-là que Jésus était son fils seulement par les paroles que Jésus disait. And I want you to invite you to seek the Lord through the Word of God, through the Bible. Et je veux vous inviter ici, chercher Dieu au travers la Bible. God reveals himself through the Bible. He does that. Dieu se révèle par la Bible. Il le fait, just like Dominic invited you to do. Juste comme Dominic vous l'a invité. Of course, Jesus was also revealing himself through miracles. Bien entendu, Jésus se révélait aussi par des miracles. Just for example, just pour un exemple, in John 4:48, there's a royal official that asked Jesus to heal his son. Dans Jean 4:48, il y a un officier royal qui demande à Jésus de guérir son fils. In 4:48, it says, dans Jean 4:48, ça dit, unless you people see miraculous signs and wonders, Jesus told him, you will never believe. Et l'officier du roi lui dit, Seigneur, descends avant que mon enfant meure. Jesus replied, you may go, your son will live. The man took Jesus at his word and departed. While he was still on the way, his servants met him with the news that his boy was living. When he was in, il leur demanda à quelle heure s'était-il trouvé mieux. Ils lui dirent, hier, à la septième heure, la fièvre l'a quitté. Then the father realized that this was the exact time at which Jesus said to him, your son will live. So he and all of his household believed. Donc le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, ton fils vit, et il crut, lui et toute sa maison. So obviously, miracles are a way through which Jesus is revealing himself. Donc bien évidemment, les miracles sont une façon de laquelle Jésus se révèle. But also those who receive the testimony of a miracle, mais aussi ceux qui reçoivent le témoignage d'un miracle. In John 12:10, the Pharisees, the chief priests are talking about Lazarus. Dans Jean 12:10, les principaux sacrificateurs parlent de Lazare. It says, ça dit, so the chief priests made plans to kill Lazarus as well, parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus. So Lazarus was sharing to the people how he was raised from the dead, and that because of that many believed. Donc Lazare témoignait de comment il a été ressuscité des morts, et à cause de cela beaucoup de gens croyaient en Jésus. So the testimony of a miracle, donc le témoignage d'un miracle. But in the end, no matter what made us believe, mais à la fin, peu importe ce qui nous a fait croire, God the Father is the one that gives us the revelation. C'est vraiment Dieu le Père qui nous donne la révélation. You know, Peter had seen it all. Vous savez, Pierre avait tout vu. He has seen all of the miracles of Jesus, has heard all of his words of knowledge. Il avait vu tous les miracles de Jésus. Il avait entendu toutes ses paroles de connaissance. And in Matthew 16, verse 15, et dans Matthieu 16, verset 15, Jesus asks, Jésus demande, but what about you, he asks, who do you say I am? Et Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. And Jesus replied, blessed are you, Simon, son of Jonah,
For this was not revealed to you by man, but by my Father in heaven. Donc Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Peter had seen it all. Pierre avait tout vu. But really, the reality was that the true revelation really came from the Father. Mais la réalité, c'est que la vraie révélation lui est venue de Dieu. So we really need that revelation from God. People really need that revelation from God. Donc on a vraiment besoin de cette révélation de Dieu. Les gens ont vraiment besoin d'une révélation de Dieu. And it can happen in many ways. Et ça peut arriver de toutes sortes de façons. But will he do it for my neighbor? Mais est-ce qu'il va le faire pour mon voisin? Will he do it for all of those people who need him but don't know him yet? Est-ce qu'il va le faire pour toutes ces gens qui ont besoin de lui mais qu'ils ne le savent pas encore? You know, of course, the answer is yes, he wants to do it. Bien entendu, la réponse c'est que oui, il veut le faire. But just let's read a story that we've read before with that question in our mind. Mais lisons, on va lire ensemble une histoire qu'on a lue auparavant dans d'autres contextes, mais avec cette question-là en tête, OK? There is a need for a big crowd to get this revelation. Il y a un besoin pour une grande foule d'avoir une révélation. And we'll go in Mark 6, verse 34. On va aller dans Marc 6, verset 34. When Jesus landed and saw a large crowd, he had compassion on them because they were like sheep without a shepherd. So he began teaching them many things. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent, « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Send the people away so they can go to the surrounding countryside and villages and buy themselves something to eat. » And here you can see that the disciples are worried. Ici, on peut voir que les disciples sont inquiets. This crowd needs something to eat. Cette foule-là a besoin de quelque chose à manger. Will it happen? Est-ce que ça va arriver? We really need to send them away. On a vraiment besoin de les envoyer. But here's what Jesus says. Mais voici ce que Jésus dit. He answered, you give them something to eat. Jésus leur répondit, donnez-leur vous-même à manger. And of course, they don't understand. Et bien entendu, ils ne comprennent pas. They said to him, that would take 8 months of a man's wage. Are we to go and spend that much on bread and give it to them to eat? But what I want to emphasize here, mais ce que je veux mettre l'emphase dessus ici, okay? We have this whole crowd that needs a revelation. On a cette grande foule autour de nous qui a besoin d'une révélation. And we are wondering, will they get it? Et on se demande, est-ce qu'ils vont l'avoir? But here, Jesus is saying, you give them something. Mais si Jésus dit, vous leur donnez quelque chose. And of course, in the end, he ends up being the one giving them something to eat, okay? And the Father is the one really doing the thing. Mais bien entendu, en fin de compte, c'est Jésus qui finit par donner quelque chose à manger. C'est Dieu qui finit par donner quelque chose à manger. But what if we stop worrying about if God wanted to reveal himself to my neighbor? Mais si on s'arrêtait de s'inquiéter de voir ce que Dieu veut vraiment se révéler à mon voisin? What if we instead we were always asking God? Et si au lieu de ça, on était constamment en train de demander à Dieu, Lord, how do you want to reveal yourself to my neighbor? Seigneur, comment est-ce que tu veux te révéler à mon voisin?
Will it be through the sharing of my testimony? Est-ce que ça va être par le partage de mon témoignage? Through the sharing of his word, à travers le partage de sa parole? From a word of knowledge for her, him or her, d'une parole de connaissance pour mon voisin? From a healing, peut-être d'une guérison. But in the end, we need him and we need to trust that he wants to touch our neighbor. Mais à la fin, on a besoin de lui. Et on a besoin aussi de croire qu'il va pourvoir à une révélation pour notre voisin. Okay? When the disciples were in that place with the crowd, it was hard for them to believe that Jesus could feed them all. Okay? Quand les disciples étaient à cet endroit-là avec la foule, c'était dur pour eux autres de croire que Jésus pourrait les nourrir. But Jesus wanted them to believe. Mais Jésus voulait qu'ils croient. Jesus wanted them to be the ones that would be giving them one by one this bread and this fish. Jésus voulait que ce soit eux qui, à la fin, aillent leur porter un à un ce pain et ce poisson. And it's the same for us. Et c'est la même chose pour eux. Will God give his revelation to all those people? Est-ce que Dieu va donner cette révélation à ces gens-là? And of course, that revelation will come from God. Et bien entendu, cette révélation-là va venir de Dieu. But are we willing to be the ones through which the revelation will come? Est-ce qu'on est volontaire pour être porteur de cette révélation? Are we willing to be constantly listening to God, expecting him to want to reveal himself to that person through us? Est-ce qu'on est volontaire pour être constamment en train de s'attendre à ce que Dieu veuille parler à une autre personne au travers de nous? We need the Holy Spirit for that. On a besoin du Saint-Esprit pour cela. We need his revelation ourselves for that. On a besoin pour cela même, nous-mêmes, de sa révélation. But I firmly believe, mais je crois fermement, that God wants to reach that crowd around us. Que Dieu veut atteindre cette foule-là autour de nous. I firmly believe that he wants to reach it through us. Je crois fermement qu'il veut l'atteindre au travers de nous. And I'm not speaking about only me. I'm speaking about you guys. Et je parle pas juste de moi. Je parle de tous vous autres qui m'écoutez. Okay? God wants you to be the ones bringing that bread and that fish to those peoples. Dieu veut que vous soyez ceux qui apportent le panier contenant le pain et le poisson à ces gens-là. God wants to reveal himself through you to all this crowd. Dieu veut être veut que vous puissiez, veut pouvoir se révéler au travers de vous à toute cette foule. So Lord Jesus, Seigneur Jésus, everything good comes from you. Tout ce qui est bon nous vient de toi. And Lord, we needed you desperately, but we didn't know it. Et Seigneur, on avait besoin désespérément de toi et on ne le savait même pas. But you revealed yourself to us. Mais tu t'es révélé à nous, Seigneur. Lord, we want this crowd surrounding us to get that revelation too. Seigneur, on veut que cette foule qui nous entoure ait aussi cette révélation. Speak to us, Lord. Viens nous parler, Seigneur. Show us how you want to reveal yourself through us. Seigneur, montre-nous comment tu veux te révéler à ces gens-là au travers de nous. And give us the courage to take these steps of faith when you ask us to. Et donne-nous le courage de prendre ces pas de foi quand tu nous les demandes. In your name, O Jesus, en ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Amen. So, thanks for watching. Donc, merci de nous regarder. And, of course, if you want to join us at our Zoom meeting right after, it should start in any minutes, you're welcome. Donc, bien entendu, si vous voulez vous joindre à nous dans notre rencontre Zoom qui devrait commencer dans quelques minutes, vous êtes les bienvenus. God bless you. Que Dieu vous bénisse. Bye-bye.